Thème de la conversion paraît réservé au champ soit de la religion, de la propagande, du prosélytisme, soit à la sociologie des religions. Mais en fait, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de savoir sans croire, ça veut dire c'est la thèse de Needham qui est un lieu commun. C'est le fait que tu, comme disait Kuhn, tu pars toujours d'un prémisse qui ne peut pas être totalement démontré. Tu ne peux jamais prouver ton point de départ. Tout ce qu'on peut faire comprendre, c'est qu'il paraît plausible. Il paraît plausible ou crédible. Mais il y a un acte de foi dans tout savoir. Savoir que 2 et 2 font 4, tu dois croire au départ dans la réalité des chiffres intégrales qu'il y a 1 et 2. Mais tu peux être dans un système binaire ou c'est une toute autre croyance, si tu veux. Et donc, dans tout savoir, il y a un croire au départ, donc il y a une foi. Et quand tu changes de paradigme, quand tu changes de Ptolémée à Copernic, tu changes de foi, tu es converti, il y a toujours un saut qui ne peut pas être induit. Et on ne peut pas cumuler les données au point que inévitablement, la conclusion tombe comme un fruit mûr. Il y a toujours un déclic, un tilt, un insight, un saut final où tu te trouves dans le paradigme, c'est le théorème de Gödel aussi. Tu ne peux jamais prouver en mathématiques ton point de départ. Tu le choisis et après, comme dans la religion, Dieu a parlé à Mahomet et donc on continue. Jésus, c'est Dieu et donc il pleut, on discute de parapluie. Et Mahomet dit non, il fait beau, on a les parasols, on discute de parasols. Mais c'est toujours, tu peux jamais dire, mais mets ta main dehors, est-ce qu'il pleut ou pas? Parce que dehors, il n'y a rien. Oui, tu peux jamais. En dehors des couvertures, il ne se passe pas grand-chose. Il se passe des données. Est-ce qu'il commence à pleuvoir ou est-ce qu'il cesse de pleuvoir? Donc, il y a des données, entre guillemets, il y a des données de terrain, mais ça ne donne que à penser. Ça ne donne jamais la pensée, si tu veux. Ça propose des choses, mais ça n'impose rien. Il y a toujours un choix en fin de parcours. Et donc, la conversion est un phénomène universel de tous les moments et que moi, je recode comme une relocalisation. On se délocalise, on quitte un triangle vers un carré, comme tu as dit, ou vice-versa. On peut quitter un carré, une culture, un lieu, pour essayer de rejoindre un autre. Et c'est, je dirais, bon, il n'est peut-être pas très élégant, ça c'est l'Occident, si vous voulez, et ça c'est l'Afrique ou c'est l'Asie. Il arrive parfois que des Occidentaux quittent leur triangle pour aller vers d'autres lieux. C'est le cas extrême des hippies qui vont au Népal fumer du hash et chanter les tantras jusqu'à ce que mort s'ensuit. Mais c'est vrai aussi qu'à l'aéroport de Katmandou, les hippies ils croisent des Népalais en train d'aller vers les États-Unis, vers l'Occident. Ils ne rêvent que de ça. Donc les gens cherchent toujours, à moins qu'ils soient complètement constipés et coincés, la bougeotte, être nomade, c'est être humain. À son insu, on est toujours emporté par le courant, le flux. Ça aussi, j'adore ça.
Le réel est un flux, F-L-U-X, mais il est aussi flou, F-L-O-U, et les cultures, les projets, les sociétés bloquent pour un moment en désespoir de cause. Ils vont dire, voilà, ça c'est humain, ça c'est animal, ça c'est une plante, ça c'est minéral, ça c'est un homme, ça c'est une femme. Mais c'est toujours des fixations provisoires, ils sont toujours chamboulés. Et maintenant, on est en train de chambouler ce que l'Occident a fixé comme humain, parce qu'on est en train d'envisager, d'intégrer dans ce qui doit être traité comme une fin en soi, les grands primates, si tu veux. Et donc, on est en train de délocaliser, on est en train de bouger les frontières, on est en train d'agrandir les horizons herméneutiques, on est en train de refaire un autre sens des données. Donc, il y a une sorte de va-et-vient, thèse, antithèse, on essaye de glisser de ça vers ça ou de ça vers ça. Le problème, et c'est un problème absolument crucial, c'est que les lieux ne sont jamais symétriques, ils sont jamais absolument égaux. Dans tout rapport humain et dans tout rapport réel, parce que le réel est relationnel. Il n'y a jamais une chose qui se met par accident, après coup, en rapport. On est d'emblée et d'office rapport, en relation. Mais le relationnel est toujours asymétrique. Mais, et ça c'est important d'ajouter immédiatement, cette asymétrie n'est pas automatiquement un rapport dominant-dominé. Ce n'est pas automatiquement un rapport de pouvoir. Ça, c'est l'illusion marxiste. C'est qu'on peut abolir le pouvoir et établir une égalité, une symétrie absolue. Homme, femme, vieux, jeune, noir, blanc, une symétrie. Ça, c'est de nouveau un choix paradigmatique. Homo equalis, l'homme égal, égalitariste, ça c'est l'Occident qui a dit dans les droits de l'homme que les femmes sont kiff-kiff, tout le monde est absolument, jusqu'à mercredi tu fais la vaisselle et puis jusqu'à mercredi prochain je fais la vaisselle, il faut équitablement 50-50 partager les tâches, et c'est homo equalis, il faut absolument qu'il n'y ait pas de différence entre vieux et jeunes, hommes et femmes, noirs et blancs, immigrés, indigènes. Ça, pour moi, c'est des couillonnades. L'homme est hiérarchique. Ça veut dire hiérarchique, c'est équivalent de asymétrique. Non pas qu'il faille aller jusqu'à cristalliser les asymétries sous forme de caste, comme en Inde, ou forme d'aristocratie injustifiée, comme dans l'histoire occidentale. Mais il faut acter, je crois, que la plupart du temps, la plupart de nos rapports sont asymétriques et sont non seulement acceptés faute de mieux, mais sont acceptables. C'est-à-dire le fait que les parents puissent éduquer leurs enfants, c'est une asymétrie acceptable. Il faut être vraiment idiot comme enfant de ne pas accepter que tes parents sont quand même passés par là. Bon, on râle, on rue dans les brancards, on fait l'idiot. Mais je dis, en fin de compte, on accepte qu'il y a des asymétries acceptables. Moi, je sais faire un crumble et parfois une omelette, mais c'est tout. Donc, Madame Mike, j'accepte absolument que je suis totalement dissymétrique en matière de cuisine. S'il faut tondre le gazon, Madame Mike accepte que là, la symétrie joue en sa faveur. C'est moi qui me farcie. Donc il y a dans toute organisation humaine des asymétries. Le culte des ancêtres, c'est ça. C'est accepter que dans une société rural traditionnel, plus tu vieillis, plus grandit ton utilité publique. Ce n'est pas une gérontocratie qui exploite, qui aliénie, qui profite indûment de la naïveté des femmes et de la crédulité des jeunes. C'est que moi, j'ai vécu ça chez les Wakonongo. Les vieux servaient à quelque chose, ce qui n'est pas le cas ici.
Je suis, après 30 ans en Europe, tu deviens de plus en plus inutile. Totalement. Moi, je dis, j'arrive tout juste à allumer ça. Le camarade, il a réussi à trouver des trucs que j'avais perdus. Moi, je suis complètement... Il est mon supérieur. Mais je ne me sens pas dominé. J'accepte. Il est calé. J'ai des fils qui me dépassent dans 36 domaines, ce qui est inimaginable dans la société traditionnelle, où, effectivement, les jeunes ne rêvaient que d'une chose, c'était de remplacer les vieux dans le lieu qu'ils occupaient. Et donc, moi, je crois qu'il faut accepter que dans ces différences de lieu, il y a toujours des asymétries, mais jusqu'à preuve du contraire, ces asymétries ne sont pas inacceptables. Il y en a des cas limites. C'est l'apartheid, c'est l'exploitation des femmes dans les mines au 19e siècle. Ça, il y a des asymétries manifestement inacceptables. Mais je dis, il faut être réaliste, et ce n'est pas si grave que ça, accepter qu'on vit effectivement la plupart du temps dans des rapports avec des asymétries acceptables, et non seulement acceptées. Mais ça ne résout pas le problème, parce que là, c'est ou l'un ou l'autre, ou je reste chez moi, convaincu absolument de ma supériorité, ou l'autre vient chez moi, mais il restera toujours un peu carré dans mon triangle. C'est le cas des Polonais en Angleterre qu'on veut remballer chez eux. C'est le cas des Wallons en Flandre. C'est le cas des francophones canadiens à Toronto. Il y a toujours des trucs. Le carré n'est pas toujours le bienvenu et aura du mal, à moins de devenir plus triangulaire que les triangulaires, il aura du mal à s'intégrer. Et vice-versa, le carré, il va faire semblant de trouver que le blanc, il est sympa, mais en fin de parcours, il ne faut pas se leurrer. J'ai jamais prétendu être un Mukonongo, et eux, ils n'ont pas voulu que je devienne Mukonongo. Et donc, ça, c'est pas... Il y a une conversion qui est pas satisfaisante. Ça arrive, ça... Dans la tête des gens, ça, c'est ça souvent qu'ils projettent. Mais moi, si tu veux, la véritable conversion est une délocalisation radicale. On quitte son lieu et on quitte son lieu ensemble pour aller vers un lieu inédit. Et quand je dis inédit, c'est au sens le plus radical. Ça veut dire qu'il faut être capable d'accepter que dans la nouvelle localisation, on ne va pas retrouver un peu du triangle et un peu du carré. Là, on est totalement délocalisé. On se retrouve ailleurs et autrement. Parce que c'est ça qui ne va pas très souvent dans le dialogue interculturel. Mettons, le musulman, il dialogue avec le chrétien, ils vont se prier ensemble assis, Allah est grand, Dieu est gentil, et puis chacun rentre chez lui, il a l'impression d'avoir créé une sorte de plateforme interreligieuse, mais c'est pas vrai, le pape, il va jamais lâcher la virginité de Marie, encore moins le pape mobile. Et le musulman, il ne va jamais croire que Marie a été la mère de Dieu, parce que Dieu, il est un. Et donc... Là, il ne molle pas, il non mollare, il ne bouge pas, il reste sous les acquis, ils font semblant, il y a un peu d'emballage, un peu de chevauchement. Là, ce n'est pas une conversion, c'est un peu de coloration superficielle. Moi, si tu veux, une véritable conversion ou délocalisation, c'est que moi, musulman, moi, chrétien, moi, médecin scientifique, moi, guérisseur africain, ensemble, on s'en va et on se retrouve là, plus loin, où il n'y a plus de biomédecine et il n'y a plus, entre guillemets, de sorcellerie. Il y a une création inédite, il y a une autre vision et valorisation du être et de l'être humain qui a totalement métamorphosé, qui a totalement transformé les acquis ancestraux. C'est le post. C'est-à-dire le développement, le non-développement. On va ensemble, on se retrouve dans le post-développement.
Mais c'est pourquoi il est crucial de voir que ça continue. Il n'y avait pas assez de place où j'aurais mis. Parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'après, après, il y aura non pas le même. C'est toujours cette résurgence de cette perspective fondamentale qu'on imagine toujours arriver finalement à une mêmeté qui va s'améliorer. J'avais mis ça. Tu vois, la plupart du temps, les gens imaginent que ça évolue à partir d'une semence qui n'était pas prévue, mais Hippocrate arrive et voilà, la médecine est partie. Ça grandit et on arrive à la biomédecine moderne, mais après, c'est toujours un cône qui grandit, qui s'allarge, mais toujours dans la même direction et avec le même gabarit. Ce qui se passe réellement, si on regarde effectivement les épaisseurs historiques, c'est ça. Tu passes d'un triangle à travers un seuil critique, dans un carré, ça veut dire tu quittes l'Empire romain, tu entres dans le Moyen-Âge, et après tu passes dans la modernité, et puis tu passes dans la post-modernité, et puis... Mais il faut absolument accepter qu'il y a des seuils critiques, qu'il y a des ruptures radicales au-delà desquelles tu entres dans de l'inédit. La modernité n'était pas incluse déjà dans le Moyen-Âge, et dans le Moyen-Âge, il n'y avait pas... ça ne sort pas tout droit de l'Empire romain. Il faut absolument... c'est les différences. Là, c'est le même, et ça, c'est l'autre. Ou c'est des altérations en permanence. Autrement, on est... Si c'est ça... Parce que le problème, c'est qu'il faut savoir, ou il faut se décider, en termes d'espérance de vie, où est-ce qu'on en est. Ça veut dire qu'il y a une espérance de vie personnelle qui varie. Cro-Magnon, 30 ans, au départ de l'époque victorienne, cinquantaine, maintenant on est vers les 80. Donc il y a une espérance de vie qui peut se... Mais ça ne peut pas être de 0 à 10 000 dans le cadre d'un être constitué comme nous. Au niveau des espèces, bon, les espèces, ça n'existe pas non plus, mais je dirais, en gros, au niveau d'un vivant, du gabarit de l'humain, il faut se poser le problème, quelle serait plausiblement l'espérance de vie. Parce qu'il y a des savants parisiens, donc ça doit être vrai. Ce n'est pas des petits Belges ni des Britanniques bizarres, c'est vraiment des ponts parisiens qui ont calculé un peu a priori en disant, voilà un type de vivant, il a telle ou telle taille, il habite dans tel ou tel milieu, quelle serait, en théorie, son espérance de vie. Et on dit, voilà, pour tel ou tel type de vivant, l'espérance de vie, c'est 5 ou 6 millions d'années. Bon, à 1 million d'années près, on ne va pas chicaner, mais 5 ou 6 millions d'années. Et puis, ils sont allés regarder les évidences fossiles. Et ils ont trouvé que, pour ce modèle théorique, il y avait... dans l'histoire paléontologique, le cheval qui a commencé comme un lapin, qui a grandi jusqu'à être un cheval et puis qui a disparu en Amérique avant que les Espagnols les réintroduisent. Il y avait une espérance de vie de 6 millions d'années. Ils ont fait ça pour les dinosaures, et on sait, si tu veux, que les dinosaures, une espèce du gabarit des dinosaures, aurait pu, en principe, survivre 1 million d'années avant de connaître soit une mutation radicale, où il resterait plus grand-chose des dinosaures, ou une extinction.
En gros, parfois, c'est du pareil au même. Et donc, 100 millions d'années pour une espèce comme les dinosaures. En fait, après 70 millions d'années, pof, le comète les fout dehors, quelques bribes survivent dans le poulailler. Dans mon poulailler, il y a des dinosaures. Ils sont, parce que les dinosaures sont, les quelques dinosaures qui restaient sont devenus des oiseaux. Mais demande à mes poules, est-ce que vous êtes des dinosaures et des vivos? Ils disent, mais vous vous débloquez, on n'a rien à foutre avec des... On est autre chose, si tu veux. Et c'est vrai. C'est la même, on peut raisonner de la même façon pour l'humain. L'humain, mettons, l'humain naît avec Lucie, il y a plus ou moins 3 millions et demi d'années. Où est-ce qu'on en est? Une espèce du gabarit humain, bipède, de moins en moins poilu, de plus en plus brachiocéphalique, de moins en moins sexué, perte de sperme et Dieu sait quoi. Et donc, on calcule, on regarde les fossiles, et on dit, voilà, il en, une espèce comme la nôtre, il en a pour 6 millions d'années. Donc, on est à mi-chemin. On est effectivement à mi-chemin. Mais, si tu regardes la télévision ou tu lis Nature et Science, l'espèce est en train de reprendre en main son destin. On a été poussé dans le dos jusqu'ici, donc il n'est pas impossible qu'on puisse allonger, prolonger l'espérance de vie. Mais ce n'est pas indéfini. Mais il y a sûrement, après le 23 juin 2016, 6 heures, il y a encore 3 millions d'années devant nous. Si on va continuer à marcher sous nos pieds et à forniquer comme on l'a fait jusqu'ici, il y avait un programme l'autre soir sur l'utérus artificiel. S'il est plus profitable de produire des bébés au ventre maternel, c'en est fini de la sexualité procréative. C'en est peut-être même fini de la sexualité. Je me rappelle à la Grégorienne, mon prof de paléontologie nous parlait toujours du pelvis rudimentaire de la baleine. Ça veut dire la baleine... Quand il marchait sous terre, il avait besoin d'un pelvis costaud. Maintenant, dans le baleine, tu as un pelvis qui ne sert à rien. Ça diminue d'année en année. Il reste d'ici quelques millions d'années, il ne restera peut-être pas de baleine, mais sûrement pas de pelvis, si tu veux. C'est peut-être la même chose pour nos zizi. Jusqu'ici, ça a servi pendant 3 millions d'années. Mais si on n'a plus besoin de produire des bébés comme ça, on enlève le sperme qu'il faut pour les 3 millions d'années, on châtre les mâles à leur naissance, parce que les mâles sont un peu trop violents, et les femmes s'en occupent comme des gros matous. Pendant 3 millions d'années, c'est le paradis masculin. On ne va pas se fatiguer au lit, on bouffe bien, on boit beaucoup. Mais c'est ça l'anthropologie d'avenir, c'est pourquoi il faut dire adieu à l'anthropologie préhistorique. Nous raisonnons toujours en termes d'un Cro-Magnon. On est des descendants de Cro-Magnon, mais Cro-Magnon, c'est fini. On va vers... Déjà, Teilhard de Chardin m'a scandalisé en disant que, malgré que le noosphère a pris la relève, le corps évolue. Et mon prof de paléanthropologie à la Grégorienne avait fait des études pour montrer que les crânes devenaient de plus en plus carrés et de moins en moins doliocéphales. J'ai dit, mais c'est parce que tu as étudié les Suisses et tout. Mais le corps humain évolue. On pourrait se retrouver physiquement tout autre, a fortiori mentalement, si tu veux, maintenant. Et donc, c'est dans l'anthropologie, il faut raisonner en amont vers la logique humaine qui a donné naissance à notre discipline. Quelle est l'idée de l'homme que les anthropologues ont en tête quand ils font de l'anthropologie? C'est un truc culturel, c'est un truc limité, c'est judéo-chrétienne et gréco-latine. Et c'est limité, il a des dates limites. Il y a un best before, il faut... Donc cette anthropologie-là va se terminer de toute façon, il va pourrir. Si on n'a plus de zizi, si on n'a pas de pieds, si on devient des boules de graisse, Origène prévoyait que l'humanité terminerait en beauté comme des boules de graisse, parce que le sphère platonicien, c'est ce qu'il y a de mieux. Vive les obèses, pourquoi est-ce que les gens s'inquiètent?
tellement de devenir obèse, c'est des pionniers. En fait, l'anthropologie, des gros boules de graisse. C'est comme ça que ça va se terminer.